Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, ils au fond des ports. Ils naviguaient en perpéna sur la grand-mare des canards. Elle s'appelait Copains d'abord, les copains d'abord. Les copains d'abord de Georges Brassens, c'est un morceau qui est composé simplement de 8 accords. On va diviser ça en deux, on commence par les 4 premiers. Ré majeur, suivi de Mi 7ème, on va faire donc un Mi majeur, et on va ajouter l'auriculaire sur l'avant-dernière corde en partant du haut, casse 3. Ensuite, on va devoir faire un accord de Sol majeur en barré. Et on le fait en barré, pourquoi ? Parce que l'accord suivant, ça sera Fa 7ème, juste à côté, en barré. Pour le rythme, donc, on va devoir se mettre en Ré majeur. On va mettre le pouce sur la corde de Ré, la troisième en partant du haut, et index majeur et annulaire vont aller sur les trois dernières cordes, les cordes les plus aiguës, et on va devoir jouer pouce, corde. Et l'idée, en fait, ça va être d'alterner les basses, c'est-à-dire les notes les plus graves. On va jouer entre la corde de Ré et la corde de La. Ça va nous donner ça. Pouce, corde, pouce, corde, pouce, corde, pouce, corde. Et on va devoir faire ça sur 8 temps. En fait, on va compter les temps à chaque fois qu'on joue une basse, ce qui va nous donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Sans parler... Ensuite, on va aller sur le Mi 7ème. Cette fois-ci, le pouce va aller sur la corde de Mi, la première. Et index majeur annulaire vont monter d'un cran. Et on va jouer entre la corde de Mi et la corde de La. On va faire aussi 8 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, on va aller sur Sol majeur. On va jouer entre la corde de Mi, la première, et la corde de La, la deuxième. Les trois doigts ne bougent pas. Et on va jouer cette fois-ci 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, on va passer au Fa 7ème et on va faire exactement la même chose que pour le Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et... Sans parler et lentement, les 4 premiers accords. Les 4 derniers accords, ça va être Si mineur. Donc en fait, auparavant on était sur Fa 7ème, on va simplement descendre chacun des doigts d'un cran et on va rajouter l'auriculaire. Ensuite on va devoir faire un Mi majeur cette fois-ci, suivi d'un La 7ème, pour enfin finir sur Ré majeur. Le Si mineur, on va devoir jouer entre la corde de La, la deuxième en partant du haut, et la corde de Mi. Donc dans l'idée, on va mettre son index sur toutes les cordes, et on va jouer donc d'abord la corde de La, ça va nous donner 2 cordes, 1 corde. Et on va simplement jouer 2 temps. 1 et 2 et. Ensuite, on passe au Mi majeur, on va jouer la corde de Mi, on va simplement jouer 1 temps. 1 et. Le La 7ème, ça va être la même chose, sauf qu'on va descendre le pouce d'un cran, la corde de La. 1 et. Et le dernier Ré majeur, on va devoir jouer la corde de Ré. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Avec les doigts. 4 derniers accords, lentement, ça va nous donner ça. 1 et 2 et 1 et 1. Et 1, 2, 3, 4, 5. Lentement, tous les accords avec le rythme et le chant, ça va nous donner... Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpéna sur la grand-mare des canards. Elle s'appelait Copains d'abord, les copains d'abord. Pour se rapprocher un peu plus de ce que fait Brassens, c'est avoir un rendu un peu plus sec. On va devoir, dans l'idéal, lorsqu'on joue les trois cordes avec les trois doigts, arrêter le son. Ça va nous donner ça, par exemple, pour le Ré majeur. Et en fait, pour ça, on va simplement devoir enlever la pression sur les doigts et baisser un peu les doigts sur les cordes, en fait, en reculant son poignet. Ça va nous donner ça. Et dans l'idéal, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Pareil pour le Mi 7ème. C'est vraiment des tout petits coups secs, comme ça on arrête de mettre la pression et on baisse un peu les doigts. En revanche, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on va faire les barrés. On va simplement devoir enlever la pression sur les doigts.
vraiment, dès que vous êtes à l'aise, vous accélérez un tout petit peu la cadence et ça nous donnerait « Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. » Il naviguait en perpéna sur la grand-mare des canards. Elle s'appelait Copain d'abord, les copains d'abord. Voilà, amusez-vous bien avec ce morceau. Je poste des tutos tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ciao. Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, ils au fond des ports.